Alors, je m'appelle Marc Lascar, je suis le directeur après-vente de la concession Audi aux Ulysses, qui fait partie d'un groupe, le groupe Donjon Automobile, qui regroupe une quinzaine de concessions partout en Essonne et qui représente les marques Audi, Volkswagen et Skoda. Nous sommes spécialisés dans la vente de véhicules neufs et d'occasion, dans la vente de pièces de rechange et évidemment la réparation automobile, que ce soit de la mécanique ou de la carrosserie. Le choix s'est fait puisque les constructeurs que nous représentons malheureusement ne nous fournissent pas de vivier, ou pas assez en tout cas. Et donc on est livré à nous-mêmes en ce qui concerne le renouvellement de nos équipes. Moi je veux pérenniser le service, que dans 10 ans on ait toujours des gens pour réparer vos autos. Donc on a fait le choix de recruter 2 apprentis tous les 2 ans par site pour chacun de nos sites. J'avoue privilégier les apprentis qui ont déjà un CAP voire un bac, puisque pour nous c'est un gain de temps, ils sont sûrs de la voie qu'ils ont choisie, il n'y a plus de doute dans leur esprit, on ne leur enseigne pas le métier pour rien entre guillemets, ils sont parfaitement à l'écoute et ça c'est ce qui nous intéresse. La plupart du temps le recrutement se fait parce que beaucoup d'entre eux, la grande majorité, me dépose des CV que j'étudie. Faut savoir que je dois recevoir 4 CV par mois tout au long de l'année. Et le choix se fait comme ça en général, en mars ou en avril. On prend la pile et on étudie les profils. Ceux qui m'intéressent, je les fais venir. Je les reçois sans leurs parents, j'insiste, je veux les entendre eux-mêmes. Et une fois que je les ai rencontrés, je fais mon choix. Alors le seul inconvénient qui me vient à l'esprit, on va le balayer tout de suite, c'était la question qui s'est posée quand Soigny se change le matin ou le soir, où là il a fallu trouver un créneau horaire pour ne pas mélanger les uns et les autres. Après, honnêtement, en tout cas avec Soigny, il n'y a que des avantages. Les techniciens qui sont avec moi depuis des années sont bien plus à l'écoute, ont envie de bien faire, sont bienveillant, j'avais pas forcément constaté ça avant, moi. Donc ça, c'est le principal avantage que j'en tiens. Je peux pas tous les recruter parce que j'ai tout simplement pas assez de place, mais au gré du turnover qu'on peut rencontrer, quand j'ai des places qui se libèrent, je regarde déjà dans mes apprentis. Et au moment où je vous parle, sur les 2 concessions dont je m'occupe, j'ai plusieurs apprentis qui sont devenus des techniciens, des conseillers techniques et même des chefs d'équipe pour certains d'entre eux.